Salut les mecs, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, regardez. Déjà dans un premier temps, on se retrouve dans un environnement, un panorama assez inédit. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est assez incroyable. Mettez des pouces bleus parce qu'aujourd'hui là, on va kiffer. Aujourd'hui les amis, on découvre un terrain de motocross abandonné, un ancien terrain, et on va rouler dessus. C'est pourquoi les amis, aujourd'hui, on est venu accompagner de la magnifique CRF. Donc aujourd'hui elle va faire son petit roulage sur terrain. Les amis, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a déjà des gens qui tournent sur le circuit, ça veut dire que bah, c'est plutôt pas mal. Les gens tournent déjà sur le terrain, donc en vrai c'est qu'il est quand même ouf. On va déballer tout ça, je vous ai pris le drone, on va faire des plans au drone, on va faire des petites courses. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000. Et moi j'ai qu'une envie de vous dire, bah on y va, c'est parti. Let's go les amis, direction le terrain. Franchement, qui a dit qu'en Peugeot on pouvait pas un utilitaire pour pocket bike, pour pit bike. Franchement là ça passe bien. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler là. Malheureusement on a qu'une moto aujourd'hui, mais on va déjà pouvoir s'amuser, je pense. Ouais, je pense aussi. On est sur son décharge, c'est parti. Bon les amis, on y va, on est parti. Alors, déjà ça, c'est bon, j'ai quand même mis une petite veste, mais je pense que je vais le regretter. Mais c'est pour être aux couleurs quand même. Bon, on n'est pas vraiment couleur de la moto, mais tranquille. Mettre quand même une petite paire de gants. Dire 2. Hop. Regardez au quart. Au quart. Mama, nickel. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai jamais roulé ici. Vraiment, quand je vous dis que c'est de l'exclu, vous le faites avec moi, je le fais avec vous, quoi. Vous à travers l'écran et moi là. Bon, normalement elle est chaude, ça devrait aller. Oh, je me lasse pas de ce qui déco. Bon, on est parti pour visiter. Par contre c'est dommage, elle a plein de déchets. Alors franchement je connais même pas le tracé qu'il faut faire de prédilection. Donc on va essayer un peu de se balader, un peu de voir. On va faire de la reconnaissance. Et ensuite dès qu'on peut, eh ben, on va essayer de bombarder ça. Alors je sais que là, ah ouais. Ah mais en fait on va être dégueulasse. Ah ouais. Hop les... Ah oui, attends. Ah ouais, attends, là c'est crade. Hein. Là frérot, ça va être un petit peu short. On va aller voir là-bas. Mais franchement, les terrains de cross abandonnés, des fois, c'est vraiment plaisir. Hein. Ah ouais. Oh, en fait, c'est dommage, c'est qu'il y a de l'eau. Bon, vous inquiétez pas, hein, là, je veux juste rester propre 5 minutes. Après, je vais enfiler le pantalon de cross. Et ça, on va se le faire à fond, quoi. Ok, là on peut repasser par là. Ok. On essaye de regarder déjà dans un premier temps, on fait le tour. Ok, là on arrive là. Hop, ça frotte même pas. Ça me fait penser aux montées extrêmes. Et là du coup on a cette partie là. Ah ouais, là franchement on a de quoi faire. Hein. On va aller voir là-bas, c'est où je vous ai fait les land drone. Oh, j'avais même pas vu. Bon du coup là on va essayer de pas tomber. Je pense franchement on peut... Voilà, on se met sur les freins. Mais ça descend quoi, c'est la montée de l'express. C'est la montée de l'extrême, je sais pas, à monter. Moi je pense que ça se monte quand même. Je vais juste aller remettre un petit coup. Je vais aller resserrer, on fait le retour au stand. Des traces de boue, la moto elle a chauffé. Par contre là je te dis, il faut pas se casser la gueule. Sinon là on va le sentir passer hein. Du coup, comme il y a plusieurs tracés, on peut même faire... Oh, vous pensez que ça passe? Ça passe. On fait des grosses montées, là. On va essayer de faire par là-bas. Je sais pas si, en fait, il y a un sens de tracé. Je pense, en vrai, faut voir ce qui passe le mieux. On va essayer par là-bas. Là, ça peut être bien drôle si on s'y met à plusieurs. Ah, mais j'ai une idée, en fait. On va prendre tout, on va remonter. Parce que... Ah non, ça on n'est pas allé. On va aller voir là. Ah si. Ah ouais, bon, bah écoutez les amis, on a mis le pantalon de cross. Là, je pense qu'il faut y aller. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai juste pas envie de tout dégueulasser parce qu'après, il va falloir tout remettre dans la voiture. C'est juste ça le côté un peu relou. En fait, il y a des flaques. Ok, et là, faut réussir. Ok, ça passe crème. Ça passe crème. Nous, on va essayer de faire cette trace là. Je pense qu'elle peut être cool à essayer.
Et le moteur passe, n'empêche. Et il y a un centimètre encore, je crois, de jeu, mais le moteur passe. Hop, on est parti, on va essayer ici. Ah ouais, 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 ouais. Même avec des grosses motos, ça peut être bien drôle. Hop. Il y a même des traces qui partent là-bas, on va essayer d'aller voir ce que c'est. Ah oh, mais oui, mais il y a vraiment des traces de partout en fait. Même là en fait, un terrain de quad, ça passe. Ça qui pourrait être stylé. Ah ouais, ouais, là j'avais oublié. Voilà. Et là on arrive sur la montée de l'extrême. On va essayer de se faire ça. Hop, ça passe. Assez polyvalente cette petite 110. Bon là les amis, on va essayer de monter ça. Avec ça. Petite roue, grande pente. Je pense qu'on va prendre un peu d'élan. Et normalement ça serait tout bon. Hein. En plus là l'équipement il est mis à la perfection. Alors, pourquoi ça démarre pas? Ah la vitesse. Bon là, même des petits sauts comme ça. Mais en vrai, la montée quand on la voit, elle est assez impressionnante. Ça fait les pilotes de MXGP ça quand ils ont fait leur gros saut là. Parce qu'en fait quand t'es là elle est quand même impressionnante hein. On va voir, on va essayer de prendre la boue. Mais là la boue elle va tout nous dégueulasser. C'est dommage. On va se refaire la montée je pense hein. Au moins on est direct en haut hein. Bon allez là on s'en va. On va se refaire la montée. Et après on va aller se faire les petites bosses et tout. Et on verra ce que ça donne quoi. En vrai là on ne dirait pas en vidéo hein, mais elle est grosse cette montée hein. Ça passe. Hop. C'est la moto parfaite pour ce petit terrain, mais même en fait, même une grosse moto, ça passerait. Alors on va aller voir, on explore un petit peu d'où ça mène. Ah regardez les amis. Ah regardez, de là, le terrain, il rend bien quand même. Hein. Il y a plusieurs petits tracés à faire. Ce qui est juste chiant, c'est qu'il y a de l'eau, donc on va essayer de l'éviter. Mais là, je sais pas ce qu'il y avait. Hein. Je sais pas si c'est un quad ou quoi qui s'y est mis. Ah ouais, là, on fait tout le terrain. De se faire un petit tracé dessus sympathique. Ah oui parce que du coup ici ça fait tout le tour. Bon ce qui est chiant quand c'est la première fois que tu roules c'est que tu sais pas où sont les bosses. Ok comme par exemple que là ici tu peux y passer. Hop les... Bon je propose qu'on repasse par là-bas pour faire le tour. En fait là j'ai l'impression de tendre dans le bol d'un skatepark. On va essayer d'esquiver au max les flaques mais il y en a qui sont pas esquivables hein. À plusieurs, on peut bien s'amuser, je pense. Là, c'est bien de le découvrir avec ça. Ah ouais, là, il y a les petites montées. Ces petites montées de l'extrême. Par contre, tu vois, quand tu connais pas, à tout moment, tu te pètes la gueule. Mais bon, ça va venir. Faut juste apprendre à le connaître par cœur. Bon, allez voir là-bas. Je sais pas où il est, le loustic. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Je suis sûr, il est parti là-dedans. Vous le voyez pas? Moi, je le... Ah si, là-bas, je crois. Je crois qu'il est là-bas. Non, il est même pas là-bas. Ah si, il est dessus, regardez. Je l'entends. Regardez les amis. Il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? On va aller le voir. N'hésitez pas les amis, ceux qui veulent voir la piste qu'il est en train d'explorer. C'est sur sa vidéo, c'est sur sa chaîne les amis. Là, ça passe même. Ah, regardez, il est juste là-bas. Oh là là. Oh là là, il aime le danger. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Le lien est en description. Là par contre pour lui en slick ça va glisser hein. Franchement regardez j'ai envie de voir s'il se pète la gueule. Ça fera plus de vues s'il tombe non? Comment ça doit glisser par contre? Je crois qu'il a un petit problème avec son embrayage. On va essayer d'aller le rejoindre. Je vois qu'il y a un petit chemin là. On va essayer d'y passer. Mais franchement c'est une aire de jeu qui est incroyable. Et là au moins t'en veux de personne tu vois c'est carré. Mais là même en quad en vrai ça peut passer de ouf. Hop là ça passe encore. On va essayer d'aller le rejoindre. En vrai ça va ça glisse pas trop non plus.
On va le rattraper, on va faire une course avec. Par contre, ouais, si ça doit quand même glisser. Regardez. On vient se mettre là, on vient reprendre l'inter. Oh, regardez, il y a une petite ornière. Hop, et là on gaz. Mais je sais pas l'adhérence, mais je pense que là, il y a moins que je me pète la gueule. Mais on peut aller le reprendre, hein. Ah, ça glisse, hein, quand même. Ah, il est là. Il m'a mis un tour d'avance. Sinon, moi, j'ai une technique, hein. Si jamais on veut lui prendre un tour, j'ai une petite technique pour lui. Je vais aller me le faire. Je vais aller me le faire. Est-ce que c'est de la triche? Non. Je sais pas où est la ligne d'arrivée sur ce truc. On va en créer une. Oh là là, attends. C'est un petit peu défoncé. Attendez, il est où? Mais attendez. Mais il disparaît, lui. Mais il roule trop vite ou quoi? Je le vois même pas. Ah si, regardez, il est là-bas. Ah, il arrive. On va se le faire. Vas-y. Ah bah ouais, allez, vas-y. Ah, il part, hein. Ah, il part quand même, hein. Par contre, ça a l'air de glisser à mort. C'est moi je vais pouvoir le prendre dans les virages. Ah, mais il regasse plus fort. Ah, là, je sais qu'il y a une ornière. Putain, il la connaît aussi. Oh, par contre, c'est pète-gueule de ouf. Non, il va me la mettre. C'est trop casse-gueule. Il y a aucune adhérence. Ah, il a gagné la course. On va repartir dans notre établissement. De notre côté, la partie cross. On va lui laisser sa partie circuit à lui. Ah ouais, là par contre ici c'est trop lent, hein. Moi je peux le prendre comme ça, en passant par ici. C'était là qu'on avait pris, je pense. Ouais, ah ouais, là il y a... Là je pense qu'il te faut une plus grosse moto, mais nous là ça va passer, je pense. Voilà, faut pas sous-estimer le 110. N'importe quelle montée il te l'a fait. Bon allez, on va essayer de se faire des petits tracés. Hop, allez. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Si vous voulez qu'on revienne avec une plus grosse bécane dessus, parce que le 110 ça roule, mais c'est pas non plus le plus gros truc. Je pense qu'on peut rouler avec beaucoup plus. Oh, ah là on est haut là. Je pense qu'on peut rouler avec beaucoup plus gros ici. Ah ouais, par contre, attends là. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Bah oui, je suis sur lui, il avait pas vu qu'il y avait de l'eau. Et en vrai, ça passe partout, hein. Ah bah lui, laissez tomber, en semi-slick, là, il va plus voir clair. Oh, mais là, on arrive avec trop de vite. Ah non, en fait, là, ça va. Oh ouais, non, celle-là, elle est... Ouais. Oh, de toute façon, dégueulasse pour dégueulasse, j'ai envie de vous dire. Et là, ça passe, tranquillement. Le 86, en galère, ici, sur ce terrain des MXGP. Ah ouais, regardez. Ah, mais là, mais il va se péter la gueule, là. On va essayer d'aller le voir. On va aller voir ce qu'il fait, le loulou. Bah c'est ça, hein, de vouloir faire du cross. Ah. Là moi je viens de prendre la flotte. T'as pas passé. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna...